l'image que les gens ont de Didier, mais il y a le vrai Didier. Hein. Il y a le vrai Didier. C'est comme, c'est des erreurs, par exemple, que par exemple, ses fans peuvent faire. Didier peut t'affecter, il peut parler de toi sur les réseaux sociaux. Et puis, à la minute qui suit, il se rend compte que c'est pas bon. Il t'appelle, il te présente ses excuses, il demande pardon et puis gère le mouvement. Et il y a beaucoup d'erreurs que les gens font. Les gens confondent qu'il a du vrai relationnel avec des personnes et puis il peut déconner et puis venir demander pardon sur ses grands frères. Et puis il y a l'erreur que les gens font. Tu ne connais pas quelqu'un, tu insultes, mais il ne va pas jouer toi. Tu n'es pas Didier, tu n'es pas celui que. Moi, si je suis en voyage, je peux appeler Didier à n'importe quel truc. Hey, tu as l'argent sur toi, il faut régler tel problème. Ou bien va au bureau, voir Chilo rapidement, donne-lui ça, il va régler ça, on doit payer des gens. Et puis c'est automatique, tu vois. Voilà. Donc quand tu as des rapports avec quelqu'un, tu n'as pas des rapports avec quelqu'un, c'est pas chose. Malheureusement, on arrive à un an, c'est incompréhensible. On a été affecté. Et puis nous autres, comme ça, quand tu nous vois dans notre position, là, je n'ai jamais voulu laisser les gens m'empêcher de vivre mon deuil, parce que ça a été un vrai deuil. C'est-à-dire, quand tu prends cette année-là, pour moi, tu prends Didier fin 2019, après tu prends encore Ouattara et puis tu prends tout ça à l'époque, tu vois, c'était difficile. Et puis, ce que j'ai partagé avec lui, je n'ai pas encore partagé ça avec quelqu'un dans le couple égalé. J'ai partagé en amitié avec tous mes amis de la diaspora, beaucoup de choses. Mais ce que j'ai partagé avec lui, les enjeux, même quand je montais les entreprises, les trucs, il a toujours été là, même si je faisais le compte des fois, il a toujours été là, et puis il savait quoi, toi. Il y a les protocoles, vous voyez tout ça, il y a... Bon, en souvenir, Roland, tu vas voir hein, qu'à aucun moment il a fait une vidéo pour dire ta mère, quand tu sais qu'il y a des règles, on a des règles de famille, et aujourd'hui on fête les 1 an. C'est même pas une fête même. Ça fait 1 an. C'est première chose, adorable, gentil. C'est-à-dire, mais quand il dit gentil là, ben c'est gentil, gentil comme tout. Et puis ensuite, le côté super con, mais pas le con méchant. Quand il dit super con, parce que c'est comme ça, à chaque fois qu'il veut, mais tu es con. Mais en fait, il y a le con qui te fait rigoler. C'est-à-dire, c'est comme on te dit la différence entre celui qui parle mal et puis celui qui est impoli. Celui qui est impoli, il est impoli même. Celui qui parle mal, il peut te dire quelque chose qui te fait rire. Et c'est-à-dire qu'à la limite, quand Dieu va faire un post sur toi, tu vas rigoler après parce que tu sais que ce n'est pas méchant. Et je ne suis pas le gars qui va venir rendre hommage pour rendre hommage. C'est-à-dire, je ne fais pas hommage pour dire que non, comme il est parti, on doit te dire. Il veut être super con, il n'est pas d'accord. Mais moi je tiens le positif à 90%, c'est quelqu'un d'adorable. C'est quelqu'un qui va rire ses fans, c'est quelqu'un qui va manger dans un village, il va être à l'aise, c'est quelqu'un qui va dire qu'il est vu. Mais j'ai appelé plusieurs fois, j'ai dit, hey, il y a des petits étudiants qui nous cherchent à Yamsoko, non, dernier, avant de nous voir. Et il demande 10 millions, 15 millions pour les cacher. J'ai dit, il y a des étudiants. Même toi, ils sont assis dessus, la concurrence là-bas, les gars disent qu'ils ne peuvent pas faire tout ça. Ils font un bataille, parce que ça nous fait un week-end, lui vu, on n'a qu'à partir, il ne prend rien. Mais s'il y a quelques mots pour les danseurs, c'est bon. On s'élève, on s'en va, les enfants, même si on vient nous donner l'argent pour les danseurs, ils disent non, c'est bon, on a fait notre week-end tranquille, on est compris. Voilà, c'est Didier. Ah, c'est Didier, le vrai. Arafat, c'est Facebook. Il n'aime pas la frustration. Et puis, quelque chose, un enseignement qui m'a appris, c'est aimer ses fans. Mais je peux te dire, je me suis moqué quand il dit que vu mes fans, ils sont camés, les Chinois, ils sont quoi, vu, ils sont camés. Et puis j'aime mes fans parce qu'ils me défendent trop, il dit, c'est la plaisanterie chinoise, ça n'existe pas. Et on lui a tous dit ça. Et la seule chose que je retiens à la suite, c'est que vraiment, il disait chinois, il était motivé pour ses fans, il était engagé pour ses fans. Et effectivement, ils existaient parce que si tu prends l'anecdote des Chinois, je lui dis la première fois, il vient en concert, il doit venir. Je lui dis, hey, viens sur le terrain ici, là, c'est la Chine, c'est rempli. Tout le monde était sûr qu'on allait taper pour tout, qu'on a investi dans son mouvement. Viens ici, c'est la Chine, c'est gâté quand tu viens. Et là, tu dois l'appeler chinois, tellement c'est rempli. On a arrêté de filtrer la sécurité, on a laissé les gens. Après un moment, les gens commençaient à rentrer. Je lui dis, hey, il est 18h19, on ne va plus venir sécuriser tout ça, laisser les gens. Donc, quand les gens, la Chine, là, ça vient d'un événement qui a été conçu par mon entreprise.
puis c'est une discussion entre lui et moi, on a eu. Mais après, je m'en moquais. Quand il dit que non, je vais faire des choses comme ça, ils sont prêts à mourir pour moi, tout ça. Mais j'en rigolais. Et finalement, là d'où il est fier. Mais en même temps, on est dans une image, on va pas se mentir. Il faut que les gens qui étaient autour de lui soient responsables. On n'a pas arrêté de leur dire que vous n'êtes pas responsable. Moi-même, on m'a insulté cadeau ici dans ce pays-là pour dire que ouais, tu es son vieux, tu donnes pas conseil. Les circonstances de funérailles ont fait que les choses ont changé après. Mais ceux qui ont été au contact de Didier, je les connais tous. J'ai le moment de leur lancer un message. Si vous ne pouvez pas montrer aux Ivoiriens que vous êtes bénis, ne montrez rien du tout. Quand tu ne peux pas montrer aux gens que voilà, on a perdu un frère, on est unis, on est comme ça, et que vous ne et vous continuez à vous exposer, si tu ne peux pas montrer quelque chose de positif, ne montre rien. C'est tout ce qu'on te demande. Il faut savoir que je n'ai pas beaucoup d'amis. Je regrette en fait parce que en fait, c'est des longues conversations, c'est des 1 heure, 2 heures de temps. En tout cas, depuis avant de partir, il y a personne qui vient me réveiller à 5 heures du matin pour dire que tu vois, on a un petit groupe qui chérit, vous me discutez avec toi. Il y a personne qui vient te dire que bon, viens, on vient boire, puis on ne fume pas. Hein. Après, il va faire direct. Ou bien, vieux, je viens à la maison, je ne me sens pas bien. En fait, je n'ai pas encore eu quelqu'un qui est mon petit frère, qui est comme mon sang, avec qui il n'y a pas de filtre. Ivoire TV, musique.